Mon nom est Nicolas Neysen, je suis Digital Transformation Lead ici à HEC Liège. J'anime le module Strategy in Action. Je suis également donc en charge du Digital Lab. Mes passions, avant tout le théâtre et la lecture. Beaucoup d'entreprises de taille relativement modeste ou d'organisations qui n'ont pas une vocation commerciale, ne prennent pas le temps de créer un plan stratégique. C'est-à-dire de répondre à ce besoin de quelles sont les étapes à suivre pour créer sa propre stratégie. Le module est composé de plusieurs chapitres. On va commencer bien entendu avec les fondamentaux de la stratégie, la mission de l'organisation, sa vision. On va voir comment on peut décliner une vision en différents buts et objectifs stratégiques. On va également s'intéresser aux parties prenantes. Ensuite, on va rentrer dans ce qu'on appelle le diagnostic stratégique, c'est-à-dire comment avoir une bonne vue des différentes limites, des opportunités et des menaces à l'extérieur, mais aussi les forces et les faiblesses à l'intérieur. On va présenter un premier outil ou un modèle et immédiatement dans la foulée, on va l'appliquer. Les participants au module vont pouvoir implémenter, appliquer les outils à leur propre situation, à leur propre réalité de terrain et éventuellement avoir aussi une discussion, de pouvoir un peu, comme on dit, se challenger les uns les autres pour avoir une vérification sur l'usage approprié des outils qui ont été présentés quelques minutes auparavant. C'est un module qui va être destiné principalement à des responsables d'organisation, à des responsables d'entreprise, tout un chacun qui serait impliqué à un moment donné dans l'élaboration d'un plan stratégique. Des consultants indépendants qui veulent effectivement ajouter une corde à leur arc en proposant un soutien aux entreprises en matière d'accompagnement au plan stratégique. Une opportunité de discuter et de mettre en perspective des éléments qui se retrouvent rarement dans les discussions autour de la machine à café.